retrouver le terrain, en fait, l'enthousiasme qui nous, qu'on a tendance à mettre sur le terrain. Donc on a essayé d'être agressif, de durcir les lignes de passe, les post-ups, etc., et défendre dur sur les pics. Et ce qui nous a permis de faire des stops et de jouer assez rapidement en attaque. Et voilà, en deuxième mi-temps, c'est l'intensité, hein, l'intensité qu'elles ont mis. Elles ont poussé un peu plus et du coup, ben, nous, on n'a pas trouvé de solution en attaque. Je pense qu'on a un petit peu subi. Et derrière, en défense, on a été un peu plus permissif en fait sur les passes, sur les post-ups, sur les pics. Et ça fait vite la différence parce qu'en plus, il me semble qu'elles ont été assez à droite. Je n'ai pas trop les stats sous les yeux, mais bon, de ce que j'ai vu quand même, je pense qu'elles ont eu un bon pourcentage. Donc voilà, après, ça fait la différence. Bon, c'est salé, 30 points, mais il faut qu'on tire des enseignements de ce match-là pour réagir au prochain. Pas un match simple, et c'était même presque un match plus compliqué que celui contre Lyon, car il fallait rester vraiment concentré sur nos consignes et surtout l'agressivité qui allait être très importante. On a été mis en garde toute la semaine et je pense que ça nous a fait du bien car on a réussi à répondre présente. Et voilà, ça fait du bien de jouer ensemble et maintenant on a hâte que ça continue. Et malgré le huis clos, je pense qu'on a réussi à mettre de l'énergie et de l'enthousiasme dans notre jeu et je pense qu'on en a besoin et on en aura besoin toute l'année. Oui, après le match contre Lyon, on a eu l'occasion et ça nous a fait du bien en fait de voir nos erreurs pendant le match car c'est difficile de voir nos erreurs, enfin c'est plus difficile de les voir quand on s'entraîne. Donc là le match nous a vraiment permis de voir ce sur quoi on pouvait s'améliorer et je pense que voilà ce soir on a encore voilà 2-3 trucs à améliorer bien sûr mais on a quand même je pense passé un petit cap et maintenant il faut le garder pour les prochains matchs. On a travaillé sur différents aspects évidemment après le match de Lyon, des choses sur lesquelles il faut comporter un peu plus notre attention et tout ça. Et ça a été quelque chose de bien. Je pense qu'on a progressé, on a besoin de matchs pour avancer, pour savoir où sont justement les problématiques, où sont les choses sur lesquelles on peut s'appuyer, comment est-ce qu'on peut trouver telle une et telle autre. Et ça, c'est uniquement avec les matchs qu'on y arrivera. On sait aussi qu'il va y avoir plein de défenses qui vont nous être proposées. Il faut que le collectif ait les clés. Alors avec les anciennes, on a un peu plus de vécu collectif, évidemment. Mais il faut qu'on arrive à intégrer toutes celles qui arrivent et qu'on arrive à construire notre connaissance, en tout cas, de comment on doit jouer.